Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionnent les arbustes de réalité sur Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc là regardez sur le gameplay, vous pouvez voir qu'il y a un arbuste qui est dessiné, enfin il y a un petit logo d'arbuste. En fait ça c'est mon arbuste à moi-même. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir votre propre arbuste dans chaque partie que vous faites. Alors je sais pas si vous pouvez en avoir plusieurs, je pense que oui, hein. Je pense que vous pouvez en mettre un peu partout sur la map de Fortnite. Peut-être qu'il y a une limite de 3 arbustes, mais voilà, je sais pas. Peut-être c'est un arbuste par game, je ne sais pas. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc déjà, tout d'abord, quand vous allez casser soit des racines comme ceci, ou soit le truc qu'il a cassé en fait, la germe qu'il a cassé, ça va vous donner des graines de réalité. Donc vous récupérez cette graine de réalité, ensuite vous allez pouvoir lancer cette graine et la faire pousser dans le sol. Donc vous pouvez pas la faire pousser n'importe où non plus. Donc je vais la faire pousser ici par exemple. J'espère... Ah ouais c'est bon, elle a poussé. Et là regardez, il y a des mauvaises herbes. Donc arrachez les mauvaises herbes. Donc vous les arrachez parce qu'en fait ça empêche la plante de pousser. Donc vous arrachez les mauvaises herbes, là la plante pousse et maintenant c'est votre arbuste. Cet arbuste va vous donner des fruits, et dans ces fruits vous allez pouvoir obtenir des armes, des munitions, des lingots d'or, comme vous voyez, même d'autres graines. Donc voilà, c'est assez stylé. Hop, vous avez même des petits champignons au sol pour vous soigner. Regardez, ça m'a même donné une AR. Donc franchement c'est quand même assez cheaté, hein. Je vais pas vous mentir, regardez, j'ai carrément 5 kit de soins, hein, ça c'est ouf, hein. Il faut savoir que cet arbuste, si personne ne le casse, il va rester en illimité. Et en fait, au début de la partie, je vous ai dit qu'on pouvait en avoir 3, et en fait, on peut en avoir qu'un seul, parce que celui qui était là-bas, qui m'appartenait, que j'avais pingé juste ici, ben, il a disparu, et il est venu ici. Donc vous avez vu que mon arbuste, en fait, il était avec un niveau de rareté bleu, donc les fruits étaient bleus, donc je pense qu'ils peuvent être légendaires, épiques, voilà, épique et légendaire, donc le maximum légendaire. Quand vous allez en faire pousser un, vous les aurez en rareté atypique, enfin typique, atypique, rare, enfin bleu, vert, ouais vert je pense qu'ils seront. Mais voilà, il faudra laisser plusieurs parties, lancer plusieurs parties, et ensuite je suppose que les fruits vont devenir épiques et légendaires. Comme ça vous aurez de meilleurs loot. Donc comme vous avez pu le remarquer, quand j'ai lancé une graine, ça a téléporté mon arbuste à un autre emplacement. Donc imaginons, mon arbuste, je l'ai mis à la cascade de la réalité. Je trouve une graine à Daily Bugles. Je suis allé à Daily Bugles, je veux récupérer des armes, je veux me loot dès le début de la partie parce que j'ai trouvé des graines là-bas, ou je suis en fin de partie et j'ai une graine là-bas et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de loot, j'ai besoin de soins ou quoi. Et bien tout simplement, vous lancez votre graine et ça va téléporter votre arbuste qui est à un point, à l'autre point où vous avez lancé votre nouvelle graine. Donc c'est assez cheaté, hein. En plus ça vous redonne à chaque fois des champignons. Par contre vous avez vu, les graines que j'ai pu ouvrir en début de game, ben, elles ne poussent pas. Je pense qu'elles poussent en fonction des games que vous allez jouer. Donc là si je relance une game, je pense que mes fruits seront peut-être de rareté typique, ensuite atypique, donc vert, ensuite rare, ensuite épique et ensuite légendaire. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, je trouve que c'est un nouvel ajout très intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de très 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 intéressant avec ça. Alors ici, regardez, je suis sûr que sur la plante, il y aura une faille. Parce que quand vous vous mettez là comme ça, vous voyez des éclats de faille. Donc je pense que si vous laissez la plante bien pousser, bien longtemps, sans la détruire, parce que si vous la détruisez, ben, vous recommencez à zéro. Je pense que si un autre adversaire vous la détruit, ça ne vous la détruira pas dans la prochaine partie. Elle sera peut-être détruite dans la partie actuelle, parce que regardez, si je vais près de l'arbre, je vais pouvoir voir des plantes des autres personnes. Donc là, regardez, il y a la plante de Mojo. Si je lui détruis, dans la prochaine game, je pense qu'il l'aura toujours, hein. Je pense qu'on ne peut pas se détruire chacun
nos arbustes de réalité, parce que sinon ce serait trop con et ce serait trop cheaté. Ça servira à rien. Donc voilà, je pense que même s'il l'a détruit, peut-être que dans ma game, si, ben, je pourrais pas l'utiliser, mais dans la prochaine game, je pourrais la réutiliser. Elle sera pas détruite. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand elle sera poussée au maximum, je pense qu'au-dessus, donc vraiment dans la fleur, donc sur sa tête, juste ici, je pense qu'il y aura une faille. Vous pourrez utiliser une faille. Après, ce sera peut-être un usage unique. Hein. Dès que vous l'utilisez, vous ne pourrez plus la réutiliser. Ou peut-être ce sera une faille permanente et vous aurez tout le temps une faille pour vous déplacer. Donc si vous avez, vous êtes en fin de zone et que vous avez besoin de vous échapper parce que vous êtes encerclé par tous les ennemis restants, et ben vous, et que vous avez une graine sur vous, vous lancez la graine, vous prenez la faille et vous vous libérez. Vous vous évadez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.